Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un haul vidéo. J'ai acheté pas mal de choses. Je regarde mon lit comme ça, je me dis, ouh, j'ai acheté pas mal de choses. Donc je me suis dit, je vais faire un haul parce que je commence à accumuler pas mal de choses et je voulais attendre. Donc j'ai fait Mansaya. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une marque de prêt-à-porter parisienne. J'ai acheté Bershka. J'ai acheté Shein. Je ne sais pas comment tu prononces, Shein. Et du AliExpress. Donc, il y a un côté mode, un côté sport, un côté accessoire. Donc, on va voir tout ça. On va commencer par le côté mode parce que, bah, voilà quoi, c'est pour peut-être ça que vous êtes là. Donc, je vais commencer par ce superbe haut de Bershka. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je l'ai un peu regardé. Hop, il est comme ça. Vous avez vu qu'un peu, je l'ai déjà. Je l'ai déjà stylé, je sais pas comment on dit, styling. Je l'ai déjà mis avec un pantalon pour vous montrer un peu ce que ça donne. Je vais insérer le clip, mais il est magnifique. C'est un peu, on dirait de la soie, mais c'est pas de la soie. Mais c'est comme de la soie, donc ça fait un peu précieux, super joli, très agréable. Et j'aime beaucoup ce haut. La deuxième chose que j'ai acheté de Bershka, c'est ce pantalon-là. Et le pantalon, en fait, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a un côté plus délavé que l'autre. Et en fait, je voulais le même, mais plus accentué. Il est en rupture de stock partout. Donc, si vous le trouvez, s'il vous plaît, dites-le moi. Tous les jours, genre, je regarde leur site. Je veux, en fait, le côté où tu vois vraiment où c'est bleu, bleu, bleu. Et l'autre, c'est clair. Et je trouve ça stylé. Moi, j'ai vu personne avec. J'ai l'impression que ce n'est pas à la mode. Mais moi... Don't play my ear. Ne fais pas tout ça mes cheveux aujourd'hui. Ils veulent pas coopérer avec moi. Ils veulent pas. Et j'attends d'aller au salon pour me faire un soin. Bref, anyway. Donc, moi, je kiffe ce pantalon. Après, la coupe, je pense que c'est une coupe qui va pas à tout le monde. Parce que même à moi, je vois, ça me va. Mais c'est pas, voilà, il faut mettre avec des talons. Il faut l'accessoiriser, etc. Et du coup, ouais, le jean a du style. Moi, personnellement, j'aime bien. Mais... au niveau de la taille, il ne me va pas comme j'aimerais. Et au niveau des hanches, donc moi j'ai un peu de hanches et tout. Donc à voir. J'aime bien ce jean, mais je pense que ça ne va pas à toutes les morphos. C'est tout ce que je vais dire sur ce jean. Ensuite, il y a cette superbe robe Mansaya que j'adore. Enfin, franchement, elle est juste bien. Et contrairement à mon jean, cette robe va à toutes les morphos. Parce que ce qui est bien en fait, c'est qu'au niveau des hanches, vous voyez, il y a un truc un peu élastique. Et du coup, ça épouse les formes. C'est pas la robe, tu dois pas t'adapter à la robe. C'est la robe qui s'adapte à ton corps. Et je trouve qu'elle est vraiment super belle. Ce qui est bien, c'est que j'aime bien en fait ce côté-là chic de cette robe-là. Avec un côté... pointu là au niveau des épaules, donc c'est structuré au niveau des épaules et ça embrasse les formes au niveau de la taille. C'est une coupe super féminine et franchement, dès que j'ai vu cette robe au début, je me suis dit, je l'ai essayé, j'ai fait waouh. En fait, les habits de Mansaya, j'ai l'impression qu'il faut les essayer, il faut les vivre, parce que je vais vous raconter d'autres histoires avec d'autres tenues, mais j'ai kiffé. Bref, vous voyez comment ça va super bien. J'ai vu d'autres morphos qui l'essayaient, magnifique. Donc vraiment, robe que je kiffe. Dites-moi ce que vous en pensez parce que je parle, je me lâche, là, ouais, là, là, là. Mais moi, j'aimerais bien avoir vos retours, vos avis. Ensuite, j'ai cet ensemble aussi sport. Moi, personnellement, je n'ai pas vu encore de genre loungewear wax stylé. J'en ai pas vu. Déjà, de loungewear wax, on n'en voit pas énormément. Et là, j'ai bien aimé parce que si tu veux l'habiller, tu peux l'habiller. Si tu veux être en mode, tu portes que le pantalon avec un haut un peu à la mode, court, ça passe. Tu portes l'ensemble, ça déchire. Donc franchement, moi, j'ai adoré. Au début, quand j'ai vu, je me suis dit, un peu, voilà. J'ai essayé, je fais, j'ai essayé le haut, je me suis dit, waouh. Et j'ai dit, ah, ça fait stylé, c'est trop bien. Les jours où tu n'as pas envie de t'habiller, où il ne fait pas trop beau, eh ben, tu mets ça. Franchement, moi, je trouve que ça fait vraiment original. Et j'ai l'impression que c'est doux, c'est sucré, c'est pimenté. Et ben voilà quoi, l'effet que ça me procure. Donc ça, c'est pour donc la deuxième tenue Mansaya. J'ai cette superbe robe aussi
violette, et moi je ne porte jamais, mais je ne porte jamais, jamais de violet, parce que j'ai l'impression, surtout de violet comme ça un peu pâle, où j'ai l'impression que ça ne va pas m'aller par rapport à ma couleur de peau. J'ai pas l'habitude des couleurs claires, j'ai un peu encore du mal, et donc j'essaye de me jeter vers les couleurs dont j'ai pas l'habitude, parce que je me dis voilà, why not, why not. Donc du coup j'ai pris et tout, j'ai dit fais tout ça, je demande l'avis à ma soeur, elle me dit non mais franchement ça te va super bien, à mon mari, je fais allez, et en fait franchement elle est tellement stylée, je me sens, quand je la mets, je me sens en fait, j'ai l'impression de valoir 1 million d'euros. Il y a des gens, ils portent du Dior, du Louis Vuitton, moi je porte du Mansaya, et je suis là genre, je me sens vraiment bien en fait, je me sens vraiment bien dans les fringues, et Mansaya, je me sens, waouh, je me sens bien, j'ai l'impression d'être un modèle, je suis là au runway, franchement, je me la pète, oui, on peut se la péter des fois, ça fait du bien, non, on a confiance en nous, c'est bien d'avoir confiance en soi, donc oui, j'ai confiance en moi quand je porte ces habits-là, en tout cas, quand je me sens bien dans un habit, j'ai confiance en moi, donc voilà, pour la robe Mansaya. Et surtout, cette robe, elle est très longue, donc je vais être obligée d'opérer des retouches au niveau des jambes, parce que même si je mets des talons, ce que je ne vais pas faire tout le temps, je ne suis pas trop talon malheureusement, et ben, et puis je fais 1m70 moi, pour vous donner un peu une référence, je fais 1m70, je fais du 36, je fais du 36, ouais, 36 ou taille M, ça dépend. Ça dépend des hauts, etc. Mais du coup, je la trouve assez longue, donc à couper. Et franchement, en tout cas, en termes de taille, encore une fois, c'est une robe qui s'adapte toujours à la taille. Et donc ça, c'est bien. Et donc, ça te permet de tirer en fonction si tu es beaucoup plus menu au niveau de la taille ou au contraire de respirer. Si tu te dis, je vais bien manger ce soir, et ben tu peux quand même la mettre. C'est pas une robe qui va montrer ton petit ventre et tout. Donc vraiment, c'est super bien. Ensuite, j'ai ce haut qui, au début, quand j'ai vu les motifs, j'ai dit « Waouh, c'est un peu too much pour moi, la couleur et tout. » Je l'ai mis, j'ai fait « Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est super bien. Ça va avec un jean. » Je vais vous le montrer avec un jean pour que vous puissiez voir. Avec une jupe noire, forcément, parce que vous avez vu, vous avez des épaulettes noires, vous avez des cols noirs. Donc forcément, si vous mettez même avec un jean noir, etc., ça passe super bien. Mais moi, ce qui est bien, c'est que je peux mettre ça avec des jeans bleus, des shorts, et ça fait super habillé. Quand tu vois le motif, t'as pas l'impression. Et en fait, ça fait super habillé, super classe, instantanément. Là, je vais faire mon premier resto ce soir. Je ne sais pas quoi mettre. J'ai trop de choix. Je suis contente de mon mari. Ici, il était là, il dirait oh, enfin, excuse-moi, je dis, j'ai rien à faire, j'ai rien. Et là, j'ai fait pas mal d'achats. Et parce que franchement, ça fait 6 mois. Depuis le dernier haul que j'ai fait, je n'ai rien acheté. Donc, j'en avais assez. Je voulais changer ma garde-robe, j'ai mes habits au moins depuis 10 ans là, mes habits d'été, j'achète 1-2 trucs. Donc là, même là, j'ai pas acheté énormément de choses, mais par rapport à, j'achète rien pendant 6 mois et bam, je me lâche. Et c'est bien parce que bah, comme je fais partie du club VIP Mansaya, et ben j'ai moins de 10% sur les articles, donc forcément, c'est super intéressant. Donc je crois que j'ai fini avec Mansaya. Ah non, à Mansaya aussi, j'ai acheté une banane parce que maintenant que la mode des bananes est passée, je veux y être. En fait, je veux pas que quand tout le monde a et tout ça, parce que tu suis la mode, je veux y être parce que déjà, moi, là, en ce moment, je trouve que c'est hyper pratique. Parce que je ne sors jamais avec mon sac, c'est un truc de ouf. Et à chaque fois, j'ai pas mon portefeuille, je me dis, putain, si je conduis, je me fais arrêter par la police, je suis dans la bip. Donc là, je me dis avec ma petite banane, 3 enfants, c'est déjà assez, j'ai déjà assez de choses à porter, j'ai déjà... Donc je disais, ouais, 3 enfants, j'ai dit assez de choses pour moi à penser parce qu'il faut que je ramène leur goûter, il faut que je ramène ceci, il faut que je ramène cela. Et je n'ai pas envie de m'encombrer d'un sac. Et à chaque fois, j'oublie mon sac parce que j'ai tellement plus l'habitude de sortir avec un sac que quand je vois mes amis et que je prends un sac, j'oublie tout le temps. Donc la banane, c'est super. Pour moi, j'en ai vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin. Et en plus, elle est vraiment stylée, la banane Mansaya et tout. Vous avez vu comment je me l'appelle? Bam, bam. Je la trouve trop bien. Et j'ai pris aussi une petite pochette pour mettre mon maquillage quand je voyage. Même si on n'a pas voyagé depuis 2 ans, mais quand j'ai voyagé, je me suis dit, ouh, ça sera pas mal de mettre ce qui est bijoux ou autre. En tout cas, une petite pochette. Je pense que je vais en prendre une deuxième pour le prix que c'est. Et est-ce que j'ai pris un masque? Ah oui, j'ai pris un masque pour ma mère, pour la fête des mères, j'ai pris un masque. Du coup, je peux pas le montrer. Je vais essayer de l'insérer si je vois ma mère d'ici là, avant de mettre le haul en ligne. Donc, pour Mansaya, c'est fini, I'm done. Maintenant, allons vers Bershka. Ensuite, cette veste, ben la veste, elle est magnifique, cette veste. Et en plus, je crois que je l'ai achetée. Est-ce que je l'ai achetée à 10 euros? Soit elle est à moins de 15 euros, soit elle est à moins de 10 euros. Mais en tout cas, veste incroyable. Elle est trop belle, j'aime bien la couleur. Elle est en promotion.
Elle est tellement. En fait, j'aime bien les petits bombers. Elle est super légère. Elle va bien parce qu'elle coupe bien au niveau de la taille, je trouve. Que dire? Que dire? C'est un super achat. Super achat. Promotion. Il me va bien. J'aime bien la couleur. Encore une fois, je teste au niveau des couleurs pour aller vers des couleurs un peu dont j'ai pas l'habitude. Donc voilà pour Bershka. Vous avez vu le jean. Le jean et. Ah oui, j'ai acheté un jogging parce que j'avais acheté des joggings à Zara. Et franchement, la qualité de Zara, que dire? J'ai mis une fois au lavage, le truc était déjà ravagé comme si j'avais mis pendant 20 ans. Et je me dis waouh, 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 waouh. Donc il faut que j'aille ailleurs pour en tout cas acheter les joggings. J'irai pas à Zara, franchement, à moins de mettre 100 €. Mais moi, enfin, tu vois, je suis pas quelqu'un qui met énormément de jogging, donc pourquoi je vais mettre 100 € pour un jogging que je vais mettre une fois de temps en temps? Non, j'ai envie de dépenser 20 € grand maximum, parce que je suis pas quelqu'un qui porte des joggings à l'extérieur déjà, donc voilà, et à la maison j'aime bien être à l'aise, donc si je mets un jogging ou un short, j'en mets de temps en temps. Donc bref, j'ai trouvé ce jogging à Bershka, j'ai trouvé stylé, et sur le site et tout, sur la mannequin, je vais vous montrer. Et après, au moins quand je l'ai eu, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, il est comme ça, il est léger, il est assez léger et tout. Et en fait, je me suis dit, waouh, il est stylé, t'es à l'aise dedans, il est ample, ce qu'il faut. En plus, tout de suite, ça donne un super côté tendance, parce qu'il y a le signe Atlanta, etc. Même au niveau de la typo choisie. Et surtout, il est très à l'aise comme jogging. Et il ne part pas en vrille au premier lavage. Yay! Non, franchement, moi, j'ai bien aimé, je suis à l'aise. Donc voilà pour le haul de Bershka.